famille, heureux de vous avoir encore une fois de plus. De là où vous êtes et de là où vous aurez l'occasion de nous suivre encore une fois de plus. Nous sommes Sir Albert Premier et nous vous invitons de pouvoir vous abonner. Si tu n'es pas encore abonné, c'est simple. C'est dans les coins, tu cliques en bas là, tu t'abonnes, tu actives aussi la cloche des notifications, likez nos vidéos, partagez les liens, ça c'est très très important. Et puis, accompagne-nous à travers les commentaires. Donc si tu as quelque chose que tu voulais partager avec nous, l'espace des commentaires est là, c'est pour toi. Alors aujourd'hui, on va me proposer quelques sujets et puis moi aussi, je vais les développer. Alors, sans plus tarder, tu vas te découvrir ma sujet où je vais les développer ensemble. Merci. Les sujets de Taïk. Ça fait parler. Taïk, ça dérange aujourd'hui. Ça fait parler des polémiques. Il y a même de ses fiançailles maintenant qui se cassent aujourd'hui à cause de Taïk. Alors, c'est comme si cette fille-là, avec son mec, ils se sont séparés à cause des Taïk. Et ça fait polémique. Et nous avons vu même la sortie médiatique de l'artiste, là où il a dit que non. En tout cas, désormais, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus monter des fanatiques Napoléon. Mais je pense que Taïk n'avait pas vraiment besoin de faire cette sortie médiatique-là ou bien de prendre cette décision-là parce que, mec, c'est pas vraiment ta faute. On ne peut pas te condamner à 100%. Je pense que cet artiste, on ne doit pas les condamner à 100% parce que Taïk, il n'est pas là pour savoir si tu es fiancé ou bien si tu n'es pas fiancé. Il n'est pas là pour savoir si tu es marié ou bien si tu n'es pas marié. Il n'est pas là pour savoir si tu es accompagné ou bien si tu n'es pas accompagné. Je pense que c'est à vous, les fanatiques. Tu vois, Taïk, lui, il est là, c'est la fête, il s'enjaille, il chante, il est emporté, tu vois, mec, ce n'est pas du tout évident, mec, ce n'est pas du tout évident. Alors, aujourd'hui, comme et ça, si j'ai à Taïk, je pense que le nom de Fally va venir là-dedans, parce que je vis beaucoup de monde, on dit que non, Taïk, en tout cas, il faut que Taïk puisse aller voir Fally Poupa pour que Fally Poupa puisse lui procurer quelques conseils, parce que on a remarqué la maîtrise de soi à qui Fally et à travers ses concerts, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a comme l'impression Fally évite des problèmes comme ça. Fally respecte beaucoup les femmes, la gente féminine à travers ses concerts. En tout cas, il faut que Taïk visite Fally pour que Fally puisse lui procurer des conseils. Bon, en tout cas, bon, je ne sais pas si Taïk, il faut que Taïk puisse aller voir Fally pour que Fally puisse lui procurer des conseils. Bon, il peut lui procurer des conseils pour éviter des problèmes parce qu'il y a de ces mecs fous, hein. Parce que tu peux danser avec une meuf comme ça et puis son mec, c'est un fou, il peut monter sur le podium et puis venir faire des désordres ici, c'est là. Mais je pense que c'est pas du tout évident. Je ne pense pas. Alors, d'abord, je vais dire ceci. Tu vois, on a toujours l'habitude de dire que Nayo Gagabatobele Balouarien Fala Zalaga prophète. On considère Fally comme un prophète. Pourquoi? Parce que à chaque fois Fally bimisaka maloba moko boy ou bien soka lobi likambo, tu vois, les fanatiques révoltés se précipitent pour venir dénigrer, pour venir contredire, pour venir discuter, je sais pas. Mais après un certain temps, binomoko boko mona ke non, Fally, il avait raison. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je ne me rappelle plus exactement là où Fally avait dit ça concernant Taïk. Je ne sais pas si c'était au Cameroun. Fally a réalisé un concert au Cameroun. Je ne sais pas si se sont croisés dans le studio, mais Fally avait dit quelque chose concernant Taïk. Là où Fally avait dit que non, vous voyez cet artiste, donne-lui tout simplement 10 ans et il va exploser. Fally avait dit ça. Je ne me rappelle pas. En tout cas, si quelqu'un se rappelle à travers les commentaires, il peut nous mentionner. Mais je me rappelle que Fally avait dit ça. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de monde considère Fally comme un prophète. À chaque fois, quand tu lui dis quelque chose, en tout cas, ces choses-là se réalisent souvent. Souvent, ces choses-là se réalisent. Alors, il avait dit, donne-lui tout simplement 10 ans, vous allez voir. Cet artiste va exploser. Et au jour d'aujourd'hui, Bisonius Tozomona, Taïk, en tout cas, c'est Taïk. Il explose. Il crée toujours des problèmes. Il vient de créer aussi quelques problèmes au Rwanda. Mais je pense qu'au Rwanda, ce n'était pas la faute de Taïk. Parce que Taïk avait un concert au Rwanda. Et puis, il y avait une fanatique. Elle est venue presque tout nue dans les concerts de Taïk. Ce n'est pas Taïk qui lui a dit de s'habiller de la sorte. Et nous savions tous, sauf que le gouvernement est tellement strict, sérieux, et le gouvernement est Rwanda. Rwanda est en train. Alors, cette fille est venue presque tout nue et cette fille a été interpellée. Elle a été interpellée par le gouvernement rwandais. On lui a condamné, puis par après, on lui a quand même relâché. Mais elle a été interpellée parce qu'elle est venue presque tout nue.
Elle est venue en mode Nicki Minaj, en mode Amber Rose, en mode Kardashian, en mode Rihanna, et ça on ne tolère pas. Le gouvernement wande ba tolera ka yango te. Alors c'était un concert à Taïk. Alors aujourd'hui, ba tuba komi koloba omoni Taïk a komi ko créer ba problème na ba concert na, mais je pense que ce n'est pas Taïk qui a conseillé cette fille de s'habiller de la sorte. Et aujourd'hui, tomoni peo et sali baisse que non, en tout cas fiwana a se séparé na fiancé nae à cause de ça. Mais je pense que un peu de tolérance, mes chers frères. Ce n'est pas Taïk. Ce n'est pas à Taïk de savoir si tu es fiancé, si tu es venu accompagner, si tu es marié, si tu n'es pas marié. Tu vois. Mais aujourd'hui, les gens disent que non, il faut que Taïk pose des vraies questions à Fally Poupa pour que Fally puisse l'aider. Parce que on a constaté dans les concerts de Fally Poupa, aujourd'hui, Fally Poupa pose des questions aux fanatiques. Aujourd'hui, Fally Poupa précise bien. Parce que Fally Poupa, maintenant, il dit que je veux quelques filles célibataires. Tu vois, il précise bien, quelques filles célibataires, quelques jolies filles célibataires, de venir danser avec moi. Et puis, il précise encore, si tu es venu avec ton mec, tu n'as qu'à demander d'abord la permission à ton mec pour que tu puisses monter, pour que ça ne puisse pas créer des problèmes. Alors, je pense que, artiste Missus Bokoza dans la maîtrise des soirs, parce que Fally, quand même, c'est la maturité, c'est de l'expérience. Fally, c'est pas comme Taïk. Fally, aujourd'hui, c'est un marié. Je ne sais pas si Taïk il est marié, je ne sais pas. Mais Fally, c'est un papa de 7 enfants aujourd'hui. Fally, il est marié. Toye bibi sonyo soazana reine mère bafana. Mais bisopé, baya mon sous to kundanaka Fally. Parce que tout bozo mona Fally. Fally, c'est un joli garçon en tout cas. C'est un beau gosse. Parfois, bisopé to kundanaka Fally. Par exemple, nana lobaka me Fally, toi aussi tu exagères, tu évites beaucoup les femmes. Les femmes sont là, ce sont des fanatiques, ils sont là, ils veulent s'enjailler avec toi, tu es beau gosse. Ils ont dégagé pena solo ya parfum, donc on te regarde tellement joli, mec, tu es tellement joli. Pourquoi tu évites trop les meufs? Mais je pense que Fally, peut-être lui, il a compris. Bon, si Taïk, bon, je ne sais pas si vraiment Taïk doit aller demander parce que Taïk, c'est la fête et ça concert. Et je me pose la question de savoir, toi, vraiment un mec, tu rompes avec ta meuf à cause de ça. C'est juste une fanatique. Donc, ceux qui opposent à la fanatique à Real Madrid, Barça, ceux qui au tiki, moi, sinon, peut-être, vous avez un rendez-vous, moi, vous avez un rendez-vous, vous avez un rendez-vous, vous avez un rendez-vous, vous avez de rendre service ba momina biso ba service mo ba mabe donc boza pena na rendez-vous no talo lobi ke match soir oyo eza match à Ligue des Champions entre Real na Barça o tiki moi soke kota la oke kota la match o tiki pena kopi na yo ke kota la match donc atika pe a rompre kaka po na bo a rompre kaka po o tiki oke kota la match. Bon, je ne pense pas, donc je ne sais pas, je sais pas la situation et taille que je pense que on les condamne trop, on fait un peu trop quand même, il a raison. Il s'enjaille tout simplement avec une fanatique. Où est le problème? Alors, ce qu'il fallait dans la maîtrise des soins, parce que tout comme on a un concert à Fally, Fally les vit trop, hein, parce qu'on a vu à plusieurs reprises. Même si la fille danse, la fille a besoin que Fally la colle, mais au moment où on a Fally, non, hein, tu vois. Même dans le clip, on a remarqué, par exemple, les clips à jeudi soir. Même clip à jeudi soir, on a vu Fally. Donc la fille était là sur les lits presque tout nu parce que Bisotoye dit quand même dans le clip au moment là, acteur. Parce que fille ou anaza figurante, aïe qu'on jouait rôle dans le clip pour épais à moi, tu vois. D'ailleurs, clip ezo. Donc Nzembo d'abord, jeudi soir, ça parle de l'amour. Ça parle de l'amour. Mais tout le monde a qui Fally, il a évité la fille était sur les lits et puis Fally était derrière tout ça. Parce que quand on se rappelle, par exemple, Fally Obiso Toye, il y a un clip net à Nourisson. Il y a un clip à Nourisson. Il y a un sakana na petit momi wana. Clip ezala ki toko. Ki toko mo kwa ko sakana te. Mais c'est comme si Fally l'a compris, l'a changé. Peut-être lui aussi, il a vu les dangers. Donc, il s'est dit, ok, moi je vais respecter quand même, quand même. Page. En tout cas, le sujet à Taïk, je ne sais pas si on doit les condamner, mais je pense qu'un peu de tolérance, le mec n'est pas là pour savoir si tu es venu accompagner, je ne sais pas. Le mec, lui, c'est un sa star, lui, il chante, il fait la fête. Mais peut-être, épaissiez-moi les sommes à la prochaine. Et à cause de la maîtrise de soi, ébellée, pour ne pas gâcher, pour ne pas se créer des problèmes, parce qu'il y a de ces mecs fous. Hein. Il y a de ces mecs fous, hein. Il peut monter, à quoi qu'il monte dans le podium, à sali, ba, désordre dans le podium, wana, et comme il est sous ma camomousse. Donc, je pense que la sujet à Taïk,
qu'on les condamne pas trop. Donc, c'est un artiste, et lui, il chantait, il voulait tout simplement faire la fête. Et surtout, il y a de ses fanatiques, tant qu'il y a des gens qui ont été parce qu'il y a de l'amour, il y a de la considération, il y a aussi du respect. Elle veut s'enjailler avec toi, et si tu commences à la repousser, bon. Moni ba fanatique pe ba toupe ba zalaka na ndenge nango parce que cette fille là pouvait venir vers Taïk ce qui Taïk a repoussa qui est pe ba tubalina ki ba loba kakao tu vas maintenant l'orgueil parce qu'au jour d'aujourd'hui a comme il a succès alors l'orgueil il commence maintenant à repousser des fanatiques. Bon, je pense que un peu de tolérance, on doit pardonner cet artiste peut-être bon. Azu quand même leçon lui aussi. Peut-être à côté de la ligne, comment se comporte son grand frère Fally Ipupa, parce que Fally Ipupa, aujourd'hui, lui, il pose la question. Et puis, il précise bien, je veux des filles célibataires ici parce que je ne fais pas des problèmes. En tout cas, si tu es accompagné par ton mec, donc tu lui demandes d'abord la permission pour que tu puisses venir. Donc, je pense que c'est pas important que beaucoup, tous les artistes ou bien posent de telles questions parce que l'artiste, il est là, il est venu faire la fête, il est venu chanter. C'est à toi tout simplement les fanatiques, soko bimina motunayo. C'est à vous, réglez vos problèmes là. Parce que soko matina podium, cela veut dire que tu viens, tu acceptes de t'exposer. Parce que ce n'est pas la faute à Taïk. On ne doit pas coller. Donc, parce que là, en tout cas, c'est à vous dé. C'est à vous dès là, il faut vous arranger, vous dès, il faut vous parler. Il faut boyoka na oloba na chérie na yo ke na ntuka, toke na concert à Taïk. Taïk, je l'aime, je suis fanatique, je suis tellement fan. Donc je dois monter pour aller danser. Tu dois accepter. Ou bien on ne va pas, qu'on reste à la maison. Parce que ceux qui toke na concert, je dois danser. Donc il faut vous mettre d'abord d'accord. Avant de venir, c'est pas à Taïk de savoir si tu es accompagné ou bien si tu n'es pas accompagné. Et puis, s'ils se sont vraiment séparés, je pense que cet homme-là n'aimait pas vraiment cette fille. Parce que je ne crois pas, si tu peux abandonner quand même ta meuf à cause de ça, qu'est-ce que Taïk a fait? Nous, on a vu des concerts. On a vu vraiment des concerts. Là où les artistes débordent, là où les fanatiques débordent. Tu vois? Bah, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Ça m'a rappelé les couplets que Youssoufa avait réalisé dans la chanson « Bas la terre » en featuring avec Fally Ipupa, là où Youssoufa avait dit que l'amour qui se termine, c'est l'amour qui n'a jamais commencé. C'est ce que Youssoufa avait chanté. En tout cas, un amour qui se termine, donc c'est un amour qui n'a jamais commencé. Donc, on peut dire que peut-être il n'y avait pas l'amour. Parce que je ne vois pas comment est-ce que tu peux rompre quand même. Donc, tu casses vraiment l'amour comme ça. Parce que tout simplement, ta meuf était enjaillée. Bon, je ne sais pas. Donc, pour le sujet des Taïk, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Gezmawe Tagara Binana. En tout cas, je le félicite. Le mec, il m'épate souvent. Le mec, il vient toujours avec des idées. Tu vois, moi, Gezmawe m'a épaté quand tu m'as réalisé les clips de sa chanson Zoua. Et je me pose la question de savoir pourquoi cette chanson n'a pas cartonné. Pourquoi ce clip-là n'a pas été tellement visionné. Le mec, il m'avait épaté. J'avais regardé ce clip-là plusieurs fois. Je me suis posé la question. Mec, qui t'a inspiré? Zoua. Beaucoup t'as na YouTube, Bobeta, Gezmawe et Zoua. Si je ne me trompe pas, Zoua, en tout cas, les participants, les figurants, en tout cas, ils ont joué leur rôle comme il se doit. Même lui-même, l'artiste, dans la chanson Zoua. Ce qui est le clip, c'est un en tout cas, le mec, il me surprend toujours. En tout cas, à surprendre, à Salarabaman Kambo, il s'y prend toujours le mec. Et je le félicite, c'est ça ce qu'on appelle l'innovation. C'est un artiste qui se donne. Parce que Gezmawe était Toebi très bien. Il a tourné les dos. Il n'a pas polémique à des balles. Parce que lui, il s'est dit non, en tout cas. Parce qu'il a lancé un peu de défi. Hein. Depuis qu'il a lancé un défi, en tout cas, Topé, ça a raison. Parce que Gezmawe, il nous a dit, en tout cas, ce qui succès, tout ça, la musique. Toti kaba mankamo misusi ya babezi ya kofin na kabatu ya kutia kaba ndeke na ba clip. To salaka musique. Qu'on fasse tout simplement la musique et on va voir. Et au jour d'aujourd'hui, on lui a donné les raisons. On lui a donné raison parce que toye ko constaté que ba artiste misusu na République démocratique du Congo, depuis qu'ils ont laissé leur façon de faire, na ba clip, ba provocation, ba nini, ba baisse,
tomona bango pena ba chita et donc bazo sila petit à petit loko la bougie. Ça vaut pas la peine de citer les noms, boyebi très bien de qui il s'agit et de quoi il s'agit. Alors Gezmawete, c'est quelqu'un, lui il travaille, il chante, il fait son boulot. Aouchiko Bimisa album, il a réussi quand même parce que c'est aujourd'hui c'est de la grâce hein. Si tu réalises un album, tu trouves quand même quelques 2-3 chansons au réseau considérées comme des tubes. En tout cas, c'est de la grâce. Aujourd'hui, l'album est comme Koleka inaperçu. Par exemple, l'album Dynastie des Fer Rigola. Il n'y a pas de tube là-dedans. Tu ne peux pas me dire que non, cette chanson est un tube. Non. Un album de 18 titres, sans tube. Sans une chanson phare, au réseau, il y a Mama partout, au Bimama partout. Il n'y a pas. Mais Gez, il a eu quand même la chance. Avec son album Pazo, tu as banze moni ti ba 500. Banze moni ti ba nani wana ya banze mwezo beta moko ya kosalana te. Donc on les félicite. Alors aujourd'hui Gezmawete abimise libiso deux clips na lien moko. Je sais pas si je peux dire comme ça. OK, lien moko kaka mais na deux clips parce que il y en a 6 minutes. Soko tali okomona deux clips. Donc deux clips na elandani. Je pense qu'il est le premier à faire ça, la musique à Congo, si je ne me trompe pas, peut-être, comme Tolobaga toujours, Nase Amoy, Elo Wasika Ezate, Ndenge Tozo Lobaboué, Baroya Obimisela Biso Barchiva Wakeno, Bokosa, Tala Moutou Oya Sala, Tala Moutou Oya Sala. Qu'il soit premier ou pas, mais nous, on loue tout simplement cette façon de faire, cette façon de voir. En tout cas, on dit félicitations à l'artiste. Mais malheureusement, cet artiste Azalagapena n'a pas fan besté. Azalagapena n'a pas fan besté. Azalagapena n'a pas fan basté. Donc, Azalagapena n'a pas basté à ba fanatique ou ba visionnakaye. Parce que déjà, Batoubakomi qu'on s'est moqué, tu vois, les fanatiques révoltés, les nomades sont là pour se moquer toujours des gens au lieu de faire des choses, au lieu de s'occuper, de se préoccuper. Na makamba artiste, na bango bango basalagawana ka pour na ko critiquer. Bakomi kolobaye, vous voyez, oh, force est à Chili parce que clip à 500 et ça là, ba vie moko très impressionnant. Si ko bakomi kolobaye, bon moni, force na ye moko ye wana saliso ki 30 000 vies na 2 jours. Eh, moni, oh, ceci, cela. Mais je pense que lui-même, Gezmawete, il n'a pas. Il n'a pas vraiment fait la promo, hein. Il n'a pas vraiment communiqué tout autour, il y a ba clip wana, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pensé. Bon, il n'a pas tellement communiqué parce que même moi-même, j'ai tombé sur ça par hasard. J'ai tombé par hasard sur YouTube, je n'étais pas informé. Je n'étais pas vraiment informé na fungola ka YouTube boy. Na moni clip à Gezmawete na lobby. Ah, Gezmawete, il a réalisé une chanson en 6 minutes na album nae. Tant qu'on a talibou et namouni que non, ils ont deux clips où ils ont la katia lien moko. Dans le lobby, waouh, c'est de l'innovation. Tu vois, donc, cet artiste, je ne sais pas, même la chanson Miam Miam est à carton et à batib na katia album n'est pas en featuring avec Keblack. Clip moko qui toko, nzembo moko qui toko. Mais clip wana, et ça là, bah vite. Batou batala yango pena pena te. Et je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe tout autour de cet artiste. Mais on ne doit pas les crucifier à cause de ça. On doit tout simplement les féliciter parce que Azo Sala quand même manque à moto. Ou Tikomona et Nabraza, les gens chantent avec l'artiste. C'est tellement bien. Ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. Tu sors une chanson et tu chantes cette chanson avec les fanatiques. Ce n'est pas du tout évident, mes chers frères. Pendant ta date, et ça pays, na yo te di banda parce que tu comme on a Gezmawete, batou bazo yemba li banda ya Congo, bazo yemba, bazo sepela. En tout cas, on les félicite. En tout cas, pour Gezmawete, j'ai dit tout simplement coup de chapeau, na ba innovation wana. En tout cas, courage bro, tu vas aller de l'avant. Sois sérieux tout simplement. Miye bakaka parce que tu, toi-même tu sais tu es capable vraiment parce que au lança pena défi tout mona osala qui n'a raison parce que toi-même t'as dit que non toti kaba polémique tout ça la ka musique tout ala so kina na kozana succès et tu nous as prouvé aujourd'hui on parle quand même de toi tozo mona makambo zo réalisé en tout cas on te félicite merci na ba innovation wana je pense que peut-être artiste misusu lelo bazo se moqué lobi peto ko retrouver kaka même idéologie des clips na lien moko et pas artiste misusu parce que toyebi très bien que ba kopia kaka makambo o eza kitoko na mokili na vie auto vivaka ba kopia kaka makambo o ya kitoko donc je le félicite vraiment Gezmawete donc c'était ça pour le sujet de Gezmawete merci beaucoup.
Fali pour pas d'ICAP la merveille. Oui, je les félicite. D'ICAP, Tozomona, Aoutikosalaba shopping. Tu vois, Fali pour pas vient de s'offrir des. Ah, des koyo. Pardon, Yamon Azolo Banabino. Botalana ou sac, ma sac à voyage au Falazalana. Combien de sacs Fali a sa somba? Mais Azo somba kaka. Parce que ma grande marque, Yoana Bazo proposait kaka bilo kwa sika. C'est ce que je vous avais dit la fois passée. C'est le monde est toujours comme ça. Monde ezotambola système à mokili. Tu dois avoir toujours des choses à proposer. De lui Vuitton bala la kate bazo bimisa kaka barti classique. Et alors, si les consommateurs bazala bambongo na bango, papa, tu peux t'offrir tous les magasins. Bino moko boye bi combien de sacs à voyage au falaza la kanango. Azana ba sac ebele, falazana ba sac ebele, ba valise ebele, mais ale mbakate. Aouti ko somba pe ba sac misusu Louis Vuitton, souka classe, trop joli. Tu vois, alors, ton monde qui va vidéo, on est la pena bien, ba warrior, ba zo sepela, parce que des vidéos comme ça, ça fait du bien. Warrior place, azo fan, azo mona ke non artiste, a sombi misusu. Et à l'actualité, donc c'est très très important. Et puis lui-même il a dit que non, en tout cas, bah shopping Oyo c'est pour tout simplement tourner parce que bazo bandela tourner à en septembre, bazo attaquer déjà Angleterre, après Angleterre, bazo côte Allemagne, après Allemagne, bah côté Canada, puis bah continuer tourner américain, et puis par après, bah yeko zonga Kinshasa pour nakoya ko beta stade des martyrs, et puis bah lobby bah ebisi biso déjà que. Après Stade des Martyrs, Fali a kobeta na Lubumbashi, a kobeta na Goma, a kobeta lisusu na Côte d'Ivoire, parce que Côte d'Ivoire est en décembre. Fali nous avait dit ça. Nous avait dit que tant que Beta qui na décembre année passée, a signé qui malamoko contrat à des productions na Côte d'Ivoire. Donc tant que Sili ça concerne na décembre, où y a Beta qui na 2001, na 2021, bah signé ça est contrat malamoko y a des productions en Côte d'Ivoire. Fali nous a parlé de ça. Donc bah qu'aux zones à l'issue Côte d'Ivoire comme d'habitude, et puis par après, Gabon. Donc c'est comme ça. Donc vous Monique Ndeko yo, c'est autre chose. Cet artiste en tout cas c'est autre chose. Alors bino bah tout beau fan d'agawana pour na ko critiquer, pour na ko linga ko se comparer na ye. Bola kisakabiso pe ba calendrier na bino. Bolo barape bola kisakabiso pe ba programme na bino. C'est pas tout simplement comparer pour nakabi compara. Là où il y a même pas à comparer. Alors Fali Poupa, les titres d'abord bloqués, ils ont marché, ils ont ravagé. Ils ont beta na nenge moko ya kosaka na te. Neti muta kufa. Ye moko Fali ba challenge na ba challenge. Luketu ya Fali siko luketu fala za na ngoba lubaka luketu luchin. Mais je pense que oh il fallait comme il louquait tout le rhinocéros, donc louquait tout le monde n'est pas fallu, non. Et puis moi j'ai remarqué, j'ai constaté que personne n'est dans ce mien bloqué qui fallu jusque là. N'a pas challenge nyon so na si na mona, oh yon a si na tali. Et ça na challenge mon côté, donc et ça na mon tout mon, et ça na ne comment vous boyne na mona qui a bête qui a mon qui to comme. Fala zo beta ya mona nenge mo bako sakana te dongo zo tala pena luketu. Do luketu lurinoceros. E aneti luketu ya yorobo swag. En tout cas yorobo swag, luketu ya yorobo swag ya luketu ludofen. En tout cas yorobo ya ebiko bina. Nana banda omona yorobo neti neti kaka nous grand danser luketu ludofen. Donc bloqué zawana succès fou, succès planétaire. Plus de 5 millions de vues sur YouTube. Dans l'espace, il y a 3 semaines. Et Zoke Nenaba 6 millions. Donc, vitesse, moko ya kosakanate. Et je pense que tourner. Donc, battu à Londres, bon, c'est préparé. Parce que beaucoup bloqué. Battu à Allemagne, bon, c'est préparé. Parce que beaucoup bloqué. Battu à Canada, Montréal, bon, c'est préparé. Parce que vous allez bloquer les jaloux. Et puis, battu à États-Unis, beaucoup bloqué. Battu. You have just to prepare yourself. Hein? Because you're gonna dance with Fali Poupa. You're gonna dance bloqué. You have just to block people. You have bloqué Batu. Avec joli garçon. Fali joli. Donc, on les félicite. Le mec, il est tellement fort. Il est tellement fort, papa. Anja Ema, il n'y a pas Manakati à studio. Challenge na challenge. Sixen Zembo Ama. Et puis, on a vu Fali Poupa.
il était invité dans la cérémonie tout le monde qui a Lilian Thuram, ancien footballeur et à équipe nationale en France, donc le blé. Lilian Thuram, il a joué avec le Thierry Henry, les Zidane, les Lizarazu, le Abetana Banani, bah Sylvain Wiltord, Abetana bah Nicolas Anelka si je ne me trompe pas, Abetana Banani bato bazaki na équipe de France na ba époque wana ba nani wana ba nani. Bah Marcel Desailly hein, si je ne me trompe pas, Babeta, si je ne me trompe pas, en tout cas Lilian Thuram, toi tu comment on a fali Azala Kiwana, il a presté, il a chanté la chanson comme sans, donc on a vu, c'était bien, ça nous fait vraiment du bien de voir que non, en tout cas, Fali Poupa comme Koko Tapena na mitema, yaba français. Et quand on parle des français, ce n'est pas tout simplement les blancs, parce que français, na koza la blanc, c'est des choses différentes. Tu vois? Voilà, parce que ça n'a pas tout mis sous, ça n'a pas discussion, moko boye, oh, il faut abeta deva mindele, non. Koza la français, c'est pas tout simplement koza la mundele. Lilian Thuram, c'est un français, mais c'est un noir, non? Il faut arrêter. Alors, on les félicite parce qu'au jour d'aujourd'hui, le mec, il est en train de convaincre maintenant les Français. Azo kota na kati na bango to zo mona ba joueur ba tout nyonso to mona vraiment fali poupa. Azo kota pena et c'est quelque chose de très 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 important. C'est quelque chose de très très important s'afficher toujours avec des grands. Et par là, ne baye ba ka grand parce que un grand se retrouve toujours parmi des grands. C'est toujours comme ça. Un grand, il est toujours entouré avec des grands. Il se retrouve toujours parmi les grands. Il est cité toujours parmi les grands. Et lui aussi, il cite toujours les grands. C'est la raison pour laquelle Nabanze Moniti va bloquer. Binomoko Bozoyoka, African James Bond, Didier Drogba, Drogbatitude, salut. Les coachs Rigobert Song, le président Samuel Eto'o, Ahmed Bakayoko, fort. Donc, Souka, quel est grand? Alors, ça fait du bien vraiment, Fali, qu'on s'affiche toujours dans le wagon, Lilian Thuram, Baza Batou, Oyoba personnalité, Baza Naba audience, Moko très très important. Baza Naba carnet d'adresse très très costaud. Donc, on les félicite vraiment avec Fali Poupa et nous savions tous que Azo continue de tourner naé, Akoya ko boucler, tourner, pas ko boucler, et qu'on a la ka passage. Donc, Stade de Martiwana, Eza ka passage. Tangwa ko uta États-Unis aye aleki na stade des martyrs et puis a continuer parce qu'il tournait Eza Molaï et puis je pense que tozo zela pe moi surprise kaka na ba moi awa kaka na ane oyo Eza na makamu moko boye puis boye bi très bien que tozo zela pe album rumba e koya pe na ane oyo kaka fala boye ko pe sa biso date a boye ko pe sa biso titre et album wana donc a bombi tu vois. Alors, Fali Poupa, il nous a vendu tout simplement extrêmement au Boyanzembo, honorable. Honorable, pesant à une dernière chance, Romi Oyo. Honorable, l'élié de Wenze, Romi Oyo. Souka, honorable. Et puis, il y a un peu qui est extrêmement gros pour y arrumer, na na combo y a science-fiction. Souka, donc tozozela. En tout cas, on les félicite vraiment, on les souhaite bonne chance. Tozozela vraiment, tourner, ils ont continué d'ici là, bakozala déjà. Je pense que le 26 déjà, bakomata na Londres pour ba kende ko réaliser concert na Bango. Et puis Londres, bakokende Allemagne, après Allemagne, Canada, États-Unis et puis. Bazongi Kinshasa, ba Betista des Martyrs et puis va continuer, va tourner na bango. On les souhaite tout simplement bonne chance et on dit félicitations à Fali Poupa. Je pense qu'on arrête, n'est-ce pas? C'est fini. Tu m'avais dit trois sujets, non? Donc on est ensemble. Alors mes abonnés, merci vraiment, merci. Abonnez-vous et puis participez aussi à travers les commentaires. On est ensemble vraiment. À la prochaine.